Bonjour, je m'appelle Jainis Artax, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Lana Charvi, j'ai 11 ans. Je m'appelle Tatouane. Bonjour, je m'appelle Kylian Goncalves Correa et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Josué. Je m'appelle Nathan et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Divine, je suis en classe de 6ème D et j'ai 11 ans. Pour moi, une personne handicapée, c'est une personne pas qui est malade, mais juste que, par exemple, quand on a eu un accident, on peut avoir les jambes paralysées ou avoir un problème mental. Les gens, ils peuvent pas faire toujours ce qu'ils veulent. C'est une personne soit en fauteuil roulant ou qui peut être blessée. C'est une personne un peu comme tout le monde. C'est juste qu'elle a un défaut qui se remarque un peu plus que les autres. Je l'aiderai. J'essaierai de l'aider. Faire en sorte qu'ils se sentent un peu plus comme nous, qu'ils oublient un peu qu'ils aient un handicap. Il faudrait expliquer aux autres qui ne comprennent pas le handicap, qu'est-ce que c'est et pourquoi ils ne se sentent pas bien quand on les maltraite, pour qu'ils soient peut-être plus gentils avec eux. Je dirais pas qu'il faut éduquer ces personnes, c'est juste que je pourrais leur dire que ça se passe, qu'ils font, parce que si un jour eux seront handicapés, peut-être que les mêmes personnes pourraient se moquer d'eux et ressentiraient ce qu'ils font aux autres. Il faudrait avoir des ascenseurs dans les écoles aussi et essayer de pas avoir trop d'escaliers dans les cours. Je dirais que tout le monde est égaux, qu'on n'a pas le droit de maltraiter ceux qui ne sont pas comme nous. Et je dirais au président qu'il devrait plus investir les personnes handicapées dans le monde. Je dirais que les handicapés, c'est des personnes humaines. Ils ont tout à fait le droit de faire ce que nous on fait et qu'on n'a pas le droit de se moquer d'eux. C'est pas parce que les enfants, les adultes sont handicapés que c'est pas des êtres humains, et c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'il faut pas les respecter, au contraire, il faut les respecter, les aider et leur donner de l'attention. Si ils sont dans cette situation, c'est pas de leur faute, et qu'ils croient en vous. Je vous donne la force, et welcome forever.